Des crédits en quelques minutes, va sur IGVolt avec le code AMSLO, tu auras 6% de réduction. Salut les techniciens, c'est AMSLO, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Gloire aux Skills. Aujourd'hui on a la patate, on a la forme pour attaquer cette Division 3. Il faut absolument qu'on aille en Division 2 maintenant, voilà, c'est l'objectif. Le nouvel objectif c'est aller en Division 2 et puis évidemment après c'est la Division 1. Donc pour cela, j'ai vendu tous mes joueurs, à un moment j'avais donc 60 000 crédits au total. Donc après la vente des joueurs que je vous avais dit dans l'épisode précédent, et du coup je me suis fait deux nouvelles équipes. Pour la première équipe les mecs, on n'a rien négligé, c'est une équipe donc composée en 4-3-3-4 avec Ribéry, Lacazette, Cuadrado, on a aussi Ben Arfa, Kondogbia, Renato Sanchez. En défense, on a Baba, Colo, Perrin, Lichtsteiner et aussi Costil, Okage. Vraiment une grosse équipe, une grosse équipe. La grosse nouveauté, c'est évidemment Ribéry en joueur 5 étoiles de geste technique, 9500 crédits. Vraiment pas cher. Quand j'ai vu son prix, je me suis dit, attends, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague et son prix, il a complètement chuté et ça fait plaisir. Donc voilà, on accueille Ribéry tranquillement. Mais avec lui, on a aussi acheté Alexandre Lacazette, acheté donc environ 24 000 crédits. J'espère qu'il va nous finir les occasions qu'on n'arrivait pas à finir avant avec par exemple Alexandre Pato dans les anciens épisodes. Donc j'espère vraiment que ça va faire du très très sale devant. Et puis juste voilà, en MOC on a Ben Arfa. À thème, il nous fait du sale de toute façon à chaque épisode. Même s'il marque pas souvent, il est là, il nous propose quelque chose de très très bien au niveau donc du milieu de terrain. Bref, une équipe vraiment très sympathique, j'ai hâte de la tester et j'espère qu'elle va envoyer du très très lourd. La deuxième équipe, évidemment, j'avais un peu moins de crédit pour finir cette équipe, du coup elle est un peu moins bien, certes, mais qui sait, ça se trouve c'est elle qui va être le mieux sur le terrain. Mais bon, on verra ça de façon ensemble. On a du Aboubakar, Quaresma, Douglas Costa et Thiago, ils sont toujours là. On a Talisca donc en milieu central pour avoir le lien avec Quaresma et avec Alan, notre deuxième milieu central. Le troisième c'est évidemment Thiago, je viens de le dire. On a Gaia, Inicio Martinez avec Rudiger, Perez et Ter Stegen. Une bonne équipe. Voilà, après c'est une équipe assez classique, j'ai envie de te dire. En tout cas, on va tout de suite partir pour le premier match de cette Division 3. Oh, yo, yo, dommage, Ben Arfa, là. On y est presque, là, on y est presque. Et juste à trouver Lacazette et puis ensuite on finit. Non, Lacazette, il a dévissé sa frappe. Bon, il est pas gaucher, c'est pas grave, mais c'est pas grave, tu vois. On a les occasions, donc maintenant il faut juste les mettre au fond. Non, par contre là, faut que t'arrêtes gardien, faut que tu nous laisses marquer en fait, ok? Ah ça m'énerve, son gardien il était surpuissant là, Perrin je crois, le gardien italien. Là c'était impressionnant, j'avais les occasions, mais là y a rien qui allait. Toutes nos frappes étaient contrées, le mec était hyper défensif. En fait il a joué la défense, donc je sais pas s'il a bien joué, dans le sens où il a juste pris un seul point, parce que le but c'est quand même de gagner. Mais là franchement je suis très déçu parce que... on avait beau tirer, il y avait à chaque fois un défenseur sur notre route en fait. Ou alors c'était le gardien. Donc très compliqué ce match et c'est un point, tu vois, je prends. Mais quand tu domines comme ça, t'espères quand même les 3 points. Magnifique! Oh le tas de Quaresma là! Le hocus pocus avec aussi le ball roll flick. Oi oi oi! Heureusement que Douglas Costa est là pour la finition. Magnifique ce but hein! Oh, le ball roll flick là qui élimine je crois Eric Bailly. Et puis là la finition. Ça fait un petit effet là extérieur du pied chelou. Mais bon, on prend quand même les mecs, on prend! Prends cette défense de Rudiger. 950 crédits, t'as vu comment il a décalé Alexis Sanchez? Bien sûr qu'elle allait revenir, bien sûr. On la connaît tous cette feinte. Oh, yo, yo.
David Luiz, il a fait de la patinoire, mec. Il a fait rentrer Cristiano Ronaldo. Il a carrément fait rentrer Cristiano Ronaldo. Oh, ça envoie du lourd, là, direct. Cette fois-ci, on blague pas. Cette fois-ci, on blague pas et on termine notre occasion sans faire trop de gestes techniques, même si on en a fait quand même. Voilà, Quaresma qui finit 2-0, les mecs, c'est pas mal. Voilà, excellent, excellent, les mecs. On prend les premiers 3 points de cette Division 3. On obtient donc la victoire 2-0 contre cet adversaire qui a fait rentrer Ronaldo. Donc, pas mal, vraiment pas mal cette équipe, les mecs. J'ai bien kiffé le duo Quaresma et Douglas Costa. Franchement, y a rien à dire. Pour l'instant, ça marche à merveille, donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Ça va être encore galère, comme par hasard, c'est avec cette équipe qu'on tombe contre des mecs ultra ultra défensifs qui font tourner et qui attendent juste la bonne occasion. Il va finir par tirer 0 fois en fait. C'est exactement le même match que le premier match qu'on a fait avec cette équipe. C'est la même chose. C'est très défensif, il a eu une seule frappe je crois, c'était sur coup franc. Sinon c'est que de la défense et c'est super dur parce que du coup moi il faut que je me mette offensif mais du coup c'est exactement ce que l'adversaire veut, que je me mette offensif pour que lui il puisse contrer. Aïe aïe aïe, punaise, l'action était magnifique, c'est pas fini, allez. On avait réussi à trouver l'espace là, allez. Dommage, encore Ben Affa. Il va la perdre, il va la perdre. Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai bien fait de jouer offensif, mais maintenant regarde, tu vois. C'est exactement ce qu'il attend, le mec. Il attend d'être sous pression pour contrer. Il y a faute. On obtient un pénalty, les mecs. On obtient un pénalty. Punaise, on est en Division 3, les gars. Vous voulez vraiment que je fasse le rituel en Division 3, quoi? Vous êtes pas sérieux. Il y a même pas la flèche. Ah ouais, c'était cramé, en plus il célèbre à chaque fois, et je l'ai mis à gauche en plus là, je l'ai dirigé à gauche, sérieusement ils ont pas d'effet les gardiens. Et il va marquer, mettez un j'aime les gars pour me soutenir, punaise, c'est pas juste là, c'est exactement ce qu'il attendait lui, que je fasse une erreur, sinon c'est que de la défense. Regarde bien, compte combien, regarde la carte, ils sont 12 en défense. Putain, il a fait que gagner du temps, ça me dégoûte, j'aime pas perdre ce genre de match. Putain, je suis tellement dégoûté de ce genre de défaite, les mecs, et je suis sûr que je suis pas le seul à se manger de ce genre de défaite. Et moi, en fait, ce qu'il faut se dire, enfin, je me dis, je relativise en me disant, voilà, je me rajoute quand même des difficultés en faisant le rituel, en essayant de faire une panenka avec le gardien. Mais bon, moi, ça me dérange pas, hein. Le but, c'est quand même de marquer des buts skill aussi en division. C'est difficile, certes, on va tomber contre ce genre d'adversaire, c'est sûr. Mais bon, il faut faire avec et il faut tout simplement relever la tête et tout simplement tout dégommer au prochain épisode. Donc voilà. Bref, j'espère quand même que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous, c'est très important. Et on se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao les amis.